Oui, parce que beaucoup de joueuses étaient parties dans les différentes sélections. France A, France U23, les joueuses étrangères. Donc on en profite pour faire un petit peu de travail spécifique et puis voir quelques jeunes joueuses. Mais on les voit toute l'année, on est souvent en demande de jeunes joueuses en formation pour que nos séances soient avec un peu plus de joueuses, parce que des fois le nombre est un peu limite. Donc là, en l'occurrence, c'était le cas sur cette trêve. Alors Nerilia, elle rentre que demain après-midi. Ils sont en train de fêter la qualification. Non, je dis ça en rigolant. En tout cas, c'est super pour Nerilia de participer à la prochaine Coupe du Monde. C'était prévu qu'elle rentre que le vendredi, avec les décalages horaires, les différents décalages et le fait que le match se jouait mardi soir. Par contre, elle est suspendue, donc en l'occurrence, ça ne change pas grand-chose pour nous. Ça aurait été un peu embêtant, effectivement, si on avait eu à la remettre pour le match du lendemain, et le match était à 13h45, donc ça aurait été très très réduit au niveau du temps. Après, pour l'ensemble des joueuses, rien de particulier à souligner. Effectivement, chaque joueuse a son temps de jeu en sélection, un état de fatigue un petit peu différent. Mais maintenant, on a l'habitude, c'est tous les 2 mois. Donc, parfois, même octobre-novembre, c'est très rapproché. Donc, on commence à savoir gérer ces situations de retour. C'est un petit peu à la carte, tout simplement. En tout cas, aujourd'hui. Et puis, demain, ça sera un entraînement collectif avec tout le monde pour affiner les choses vis-à-vis du match. On est quand même au mois de février, donc tout ce qui est d'ordre tactique, finalement, prend peut-être moins de temps qu'en début de saison. Et du coup, voilà, de toute façon, on n'a pas le choix, donc on ne se pose même plus la question. Voilà, il manquait 11 joueuses, je crois, pendant 10 jours, donc c'est comme ça. On s'adapte. Oui, Esther, elle est parmi nous depuis lundi. Bon, c'est pas simple, mais moralement, on la soutient. Voilà, on va l'accompagner. Elle sait qu'elle est sous contrat pour la suite. Donc, elle n'a pas d'inquiétude sur ce plan-là. Donc, on va la mettre dans les meilleures conditions pour que, à la fois, son opération se passe bien et puis derrière, sa réathlétisation se passe bien aussi et que on retrouve. Je dirais par rapport à la période en fin d'année 2023, Esther sur les terrains, si tout se passe bien. Bah, je pense qu'elle le méritait, elle le mérite. Ses matchs ont été cohérents, elle s'est plutôt bien comportée sur ces deux rencontres. Maintenant, il faut digérer ça. Je pense qu'elle l'attendait depuis un petit moment. C'est l'objectif pour beaucoup de joueuses qui ont connu l'équipe de France chez les jeunes. Ces joueuses-là, elles ont envie d'aller chez Léa aussi, mais ça demande du temps, ça demande du travail, ça demande de la progression. Mais elles progressent régulièrement. Je trouve que c'était peut-être le moment et le bon moment pour elle. Elle est un peu plus mature aujourd'hui et sa progression lui permet d'être maintenant en A. Le plus dur, c'est d'y rester. Je lui souhaite de rester dans cette équipe et pourquoi pas faire la Coupe du Monde. Quand je suis arrivé, elle était dans une situation un petit peu difficile. Elle jouait pas toujours. Elle est attendue parce qu'on a toujours évoqué Maëlle comme une future joueuse de l'équipe de France A. Mais ça n'arrivait pas. Et je trouve qu'elle a passé des caps en maturité et sur tous les domaines importants, ne serait-ce que la technique, elle utilise plus son deuxième pied. Tactiquement, son placement est meilleur. Elle reste concentrée tout un match. Par moments, je pense qu'elle avait quelques moments où elle perdait un petit peu le fil. Mais elle n'a que 22 ans et on attendait peut-être beaucoup d'elle un peu trop tôt. Et on laisse pas toujours suffisamment de patience aux joueuses et la progression, ça demande parfois certains paliers à franchir. Et d'ordre physique aussi, je trouve qu'aujourd'hui elle est affûtée pour le haut niveau. Maintenant, le plus dur, c'est d'y rester. Voilà. Ça veut dire continuer à progresser,
continuer à être exigeant au quotidien et continuer à travailler avec cette application-là, parce qu'elle est concentrée. On lui souhaite à elle de continuer à travailler au quotidien avec l'équipe et puis à faire des bonnes perfs avec Montpellier, parce que il va rester 8 matchs pour elle et 8 matchs à être au top de sa forme avec l'équipe et derrière, pourquoi pas, et je lui souhaite. Du dernier match contre Bordeaux, vous avez Lola sera dans le groupe ce week-end. Pareil, ça fait partie des jeunes joueuses du club qui progressent. On l'a parmi nous depuis le début de saison en permanence. Elle venait de temps en temps la saison dernière. Depuis le début de saison, c'est tous les jours. Et elle progresse. Donc ça c'est bien. Elle est encore jeune. Je lui dis beaucoup de bosser, mais d'être patiente. Vraiment, c'est un mot que les joueuses connaissent à Montpellier et les jeunes joueuses. On leur donne leur chance, on leur donne cette possibilité d'être proche de joueuses expérimentées au quotidien, mais il faut pas non plus penser que s'entraîner avec un groupe de D1, ou en l'occurrence faire une rentrée de 10 minutes à Bordeaux, c'est être arrivé au niveau. Lola, elle a encore beaucoup, beaucoup de progrès à faire. Après, c'est quelqu'un de très intelligent et je crois qu'elle a conscience de ça, elle a conscience de sa marge de progression, de ses axes d'amélioration. Et c'est une bosseuse, donc je ne suis pas inquiet pour elle, mais voilà, prenons notre temps. Elle aura peut-être la possibilité de se montrer encore samedi. C'est ce qu'on demande à nos jeunes joueuses. Moi, je leur donne la possibilité, avec le staff, on leur donne la possibilité de travailler. Après, c'est à elle de prendre les choses en main. C'est pas un cadeau de la faire rentrer à Bordeaux, c'est juste dans la normalité d'un travail quotidien avec une progression, avec une jeune joueuse très sérieuse, très concentrée. Donc voilà, il y a d'autres jeunes joueuses qui, j'espère, vont aussi être en capacité de jouer sur les prochains matchs et sur la fin de saison. Voilà, on va tranquillement voir ça. Maintenant, il y a aussi des joueuses expérimentées qui lâchent pas leur place comme ça. Et ça, c'est très bien. C'est ce que je demande à tout le monde, de garder des places, de garder des places de titulaire. Puis en même temps, les plus jeunes, aller bousculer les plus expérimentées. Oui, c'est bien jouer avec les jeunes. Maintenant, pour moi, je suis une joueuse un petit peu plus expérimentée. Donc, j'aide les jeunes. J'essaie de sur le terrain et pas sur le terrain aussi. Donc, oui, c'est bien. Et le moment qu'on avait, quand les internationales on était partis, c'est bien aussi pour nous et pour les jeunes pour travailler bien travailler. Donc, oui, c'est bien. Oui, c'est mon première année avec Montpellier. J'ai joué d'abord en France avec Fleury. Donc, je connais un petit peu le championnat, mais ça se passe bien maintenant. Donc, on travaille bien et on essaye de chercher le troisième place dans le championnat. Donc, tout le fin de la saison, c'est très, très important. Tous les matchs sont très importants pour ça. Ouais. Très sincèrement, alors on est toujours obligé de regarder ce qui se passe ailleurs et les autres matchs. Mais là, je pense que le plus important, c'est de bien préparer le nôtre. Ce qui arrive sur les autres matchs du week-end, ça m'intéresse pas. Le plus important, c'est de prendre 3 points contre Guingamp face à une équipe qui est une équipe qui progresse. C'est une équipe qui a fait un très mauvais début de saison, mais qui est sur une série très intéressante, qui a un rythme de milieu de classement tranquille, qui a un rythme de maintien tranquille. Donc, prudence d'une part. Et ce qui va arriver dans 15 jours contre PFC, c'est dans 15 jours. C'est une erreur de se pencher déjà sur le suivant. Soyons performants ce week-end. Là, on récupère les internationales. On va
remobiliser tout le monde parce que c'est d'énergie aussi quand on rentre quand on a une trêve de 10 jours avec 2-3 matchs par moment. C'est beaucoup d'énergie dépensée, il y a les voyages. Donc là, c'est récupération. On va travailler un petit peu sur le plan tactique. On va bien se préparer, ça c'est certain, parce que je prends ce match très très au sérieux. Et la meilleure des manières de préparer la suite, c'est de gagner celui qui arrive, vraiment. Par rapport à la troisième place, parce que de plus en plus on va en parler, plus on va se rapprocher de la fin de saison, plus on va en parler. Il faut rester en vie jusqu'au dernier match. Voilà ce que je demande, être en vie jusqu'au dernier match. Ça veut dire prendre un maximum de points, et ça veut dire certainement être sur un schéma simplement de match après match et de rester très très concentré et serein. Faut pas se mettre de pression inutile. Ça se jouera à peu de choses, ça c'est certain. Il y a beaucoup de qualités au Paris FC et à Fleury. Reims effectivement n'est pas très loin. Reims a encore son mot à dire. Bon voilà, elle se rencontre. Nous on va rencontrer les adversaires directs à un moment donné. Ça va être d'autres matchs. Mais pas forcément plus difficile que celui de samedi. Donc restons bien, bien, bien concentrés sur samedi. Alors plusieurs choses, j'ai mon 11 en tête, ça c'est sûr, je ne le donnerai pas, c'est sûr aussi. Par contre, dans ma façon de manager depuis le début de saison, il y a quand même souvent des rotations. Je donne du temps de jeu, j'essaie d'équilibrer aussi les situations de forme ou de fatigue, parce que parfois quand on enchaîne les matchs, on a la sensation d'être en forme, et surtout quand ce sont de bons matchs, il faut gérer aussi cet aspect limitant avec la fatigue qui peut arriver, et parfois on ne la voit pas. On se blesse souvent quand on est en pleine forme, et donc voilà, faut bien gérer tout ça. Il y a des jeunes joueuses qui frappent à la porte, qu'on le prend en compte. Ça va dépendre aussi du scénario du match, bien entendu. Mais voilà, tout le monde aura son mot dans le groupe, tout le monde aura son mot à dire samedi après.